Gauthier Abdelwak qui retrouve la place. Attendu. Attendu au corps. Bon après-midi Stéphane, bon après-midi comme ça à tous les téléspectateurs qui nous écoutent cet après-midi. Il faut dire que nous avons été pris de courrier par la saison pluvieuse, la pluie d'hier qui nous a amené à mettre la clé sous le paillasson. Aujourd'hui nous sommes au même endroit, au même lieu, dans la même cage du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et le combat que vous regardez, que vous suivez actuellement, c'est tout simplement Ateba Abega Gauthier, le Camerounais, qui est opposé à Nano Israël Finé du Burkina Faso. Nous sommes là dans la catégorie des moins de 93 kg professionnels. Alors nous sommes là du côté gauche de la cabine de ce reportage où ils sont au niveau des cordes de ce côté. On voit le Camerounais qui est sur les cordes et qui est tout simplement comme ça, qui n'arrive pas à trouver la faille contre le Burkinabé. Est-ce qu'ils vont aller au sol? Est-ce qu'ils vont aller sur le tapis? Nous allons prendre le deuxième combat des dames entre Teresa Vonakova de la République tchèque qui sera opposé à Ngom Alice du Cameroun. Nous sommes là dans la catégorie des moins de 61 kg. Nous sommes bel et bien en dame. Et ça sera certainement un autre combat parce qu'il faut déjà le rappeler, lors du premier combat, voilà l'arbitre qui remet les deux pugilistes au centre. Voilà! Bel enchaînement! Gauche, crochet! De Gauthier devant le Burkinabé. Faut déjà le rappeler. Voilà! Une autre prise! Direct du pied au niveau de la joue du Burkinabé. Est-ce que le Burkinabé va véritablement tenir? Prise de lutte, ils sont sur les cordes. Aïe, aïe, aïe! Gauthier qui a refusé cette prise. Il a refusé de tomber. Et c'est lui maintenant qui est sur les cordes de cette cage. Voilà. Ils y sont sous nos propositions. Véritablement. Et c'est Gauthier qui a réussi à faire une prise. Ils sont au sol. Ils sont au sol. Le Camerounais au-dessus du Burkinabé. Il essaie de donner des coups de poing au niveau de la tête, la figure, les joues, les côtes. Il essaye tant bien que mal la faille, mais ce n'est pas du tout facile, il faut déjà le rappeler. Et il faut que Gauthier gagne en temps, les minutes, les secondes s'égrènent. Et c'est le Camerounais qui est toujours dessus du Burkinabé. Il donne des coups de poing sur les côtes du Burkinabé. Le Burkinabé qui a fait une prise qui ne donne pas la faille au Camerounais de finir définitivement avec ce combat. Ah, il essaye. Il essaie de ramper, il rampe. C'est pas facile, vu la prise du Burkinabé. Mais le Camerounais, il essaye. Là maintenant, ce sont les coups de poing au niveau des côtes. Des côtes, il répète le même exercice, les coups de poing au niveau des côtes. Il n'y a pas moyen, il faut déjà le rappeler. C'est une très bonne prise pour le Burkinabé. À défaut de cette prise, il n'y a pas d'autre moyen. Surtout que c'est lui qui est sur le tapis, dos sur le tapis. Et Gauthier est tout simplement au-dessus de lui.
Voilà, c'est presque la fin de ce troisième et dernier round. Et là, il faut, après ce combat, voilà, c'est la fin de ce combat. Entre Adeba Abega Gauthier et Ngono Israël. Et Nano, le temps pour moi, Nano Israël, fini du Burkina Faso. Les fiches des différents officiels, voilà. Unanimité des juges. Ok. 27. 30 et 27. Voilà. Voilà. 30 points à 27. 30 points à 27. Une victoire de plus pour le Cameroun.